Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de ce chat play sur le chat pack. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va se lancer dans Mainchem. On va se lancer dans Mainchem parce que là, ça vient bon. On va commencer dans Mainchem tout simplement en faisant un Chemical Synthesizer qui nous demande un Atomic Manipulator. Voilà, qui va nous demander beaucoup de pistons. Je crois qu'on va avoir besoin de toute manière d'Atomic Manipulator. Très bien. Donc on va avoir besoin de techniquement 16 pistons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, je suis sûr qu'on n'aura jamais assez de quoi que ce soit. 14, 15, 16, ah non c'est bon, on a assez de quoi que ce soit. On va bien entendu avoir besoin de 2 blocs d'iron. Tac, tac. On va avoir besoin du coup de ces 2 Atomic Manipulator. D'un côté on a besoin du Chemical Decomposer et de l'autre on a besoin du Chemical Synthesizer. Donc synthétiseur et décomposeur. On va prendre ces deux machines, on va les poser ici, au niveau des machines, là. À un endroit où elles auront suffisamment de jus. Bouge de là, toi. Voilà. Une ici. Tac, qui va choper tout le jus, du coup. Unpowered, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Regarde toute l'ARF que tu reçois dans les dents. Elle est lente. Ça aussi, tu dégages. Chemical Synthesizer. Ah non. C'est juste que ça reçoit à fond. Bon, très bien. Laissons ça charger. Nous, ce qu'on va vouloir, ça va être décomposer de l'iron. Ah bon, bah très bien. Ah, bon. Il gagne tout plein d'expérience. Ok, très bien. Bon, on va dire que c'est bon. Tac. Est-ce qu'on peut en avoir 32 en plus? Voilà. Hop. On va avoir besoin de colle aussi. Voilà. Et ici, on va tout placer à l'intérieur. Je pense que ça, ce sera suffisant. Il nous faut un carbone et 15, je crois, ou un truc comme ça, peut-être 16. 15 fer et un carbone pour faire du steel ingot. Donc ce steel ingot, on va en prendre. On va en prendre 2 parce qu'on n'aura pas... Ou 12. Très bien. On va en prendre 2. 12. Ah, bon, on va en prendre 12. Tout est fait, hein. On va le prendre, on va le faire fondre ici. On va en faire fondre 2, ou 1 en tout cas. Pourquoi est-ce qu'on en fait fondre 1? On n'a pas besoin de 2 hein, du tout, d'une manière. Pourquoi est-ce qu'on en fait 1? On va faire un électro... on va faire ceci pour accéder un peu plus tard. Voilà, avec un stick. On va prendre un stick de base. On va prendre 2 sticks de base d'ailleurs. Je fais n'importe quoi. Voilà, un stack de stick. Un stack de stick. C'est difficile à dire, c'est un stack de stick. Pour tout simplement venir ici prendre là-dedans, voilà, le tool binding cast. Je sais pas si ça marche avec un cast, ça devrait normalement. Tac et tac, non, tu ne veux pas. Bon, très bien. Écoute, à ce moment-là, tu vas me faire fondre un deuxième steel, s'il te plaît. Voilà, on récupère la pelle, on prend la pickaxe, on prend. Ah bon sang, où sont passés tous mes sticks? Où sont passés tous mes casts? Cast. Ils sont là. On va prendre ça. On va faire un coffre aussi hein, qui va tenir tous les caisses à l'intérieur au bout d'un moment parce que ça devient assez lourd entre guillemets. Tac, tac, tac. Tout le roadcast. On va avoir besoin de pickaxe et de tool binding. Pourquoi? Pour nous faire une pique. On va essayer de se faire la meilleure pickaxe possible parce que je me suis rendu compte qu'en faisant une pickaxe IC2, ça va demander énormément de ressources, des ressources qu'on n'aura pas tout de suite. On la fera, bien entendu, l'iridium. On fera, de toute manière, on va se faire un hall des armures où on aura toutes les meilleures armures des jeux. Et un hall des armes, on aura toutes les hall des armes et hall des outils, on aura tous les meilleurs outils du jeu. Du coup, toi, Stealing God, tu te transformes, s'il te plaît, en... Voilà, Molten Steel, merci. Un pickaxe headcast. Tac, bim. Toi, tu reviens à l'intérieur ici, du coup. On avait dit que tout ça, ça venait ici. Hein. Voilà, tout ça, ça vient là. Tac, tac, tac. Ça, ça vient avec moi. Hop, le stealing got, il vient là. Du coup, nous, on a quand même besoin du tool binding et du tool rod, qui vont nous coûter 0,5 chacun. Donc, autrement dit, 0,5 lingots, vu qu'on a mis un lingot chacun, donc ça va faire un lingot en tout. Vu qu'on a mis un lingot en entier, eh bah, on va pouvoir utiliser le lingot en entier. Du coup, notre pic va nous coûter que 2 lingots. Déjà. Comparé à une steel ingot de base, c'est raisonnable. C'est sincèrement raisonnable.
Donc, attendons un petit peu que ce steel ingot, voilà, soit fondu en molten steel. Faisons ceci. Tac. Faisons ceci. Tac. Récupérons ça et ça. Reposons ça et ça. Et faisons-nous une pickaxe en steel. Donc, on va aller très très vite, hein, parce qu'on est déjà quand même bien avancé au niveau de tout ça. On va aller très très vite, mais suffisamment lentement pour pouvoir trouver ce qu'on veut. Voilà. Steel pickaxe, bim. La steel pickaxe, elle a une mining level du cobalt. Sachant que ce n'est pas forcément le cas de notre système, de notre mining drill. Ce qui signifie que grâce à ça, on va pouvoir miner plus loin dans l'arbre de. Oh, merci. Dans l'arbre de ça. Ça, par exemple, on ne peut toujours pas le miner. Par contre, le reste, on peut le miner, le cobalt. Les trucs qui sont là, le Viroxérès, on peut le miner. Voilà. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de choper du cobalt et de du cobalt comme ceci. Coblat. Bim. Coblat, s'il te plaît. Je sais pas c'était quoi ce bruit. C'est peut-être parce que j'ai récolté ça. Du cobalt en masse. Ainsi que de l'ardite. Ardite? Midasium. Ah! C'est toi qui me tire dessus comme ça? C'est toi qui es méchant? Merde, j'ai rien pour l'attaquer. Aïe aïe aïe! On s'en va! Il m'a foutu quoi, Witness 3? Putain. Oh l'enfoiré! Il y en a qui s'amusent. Hein. Coblat et de l'ardite. Non, ça c'est du midasium. Non, de l'ignatius même pas. C'est pas du midasium, c'est de l'ignatius. Là il y a du coblat. Voilà, pourquoi? Parce qu'on va faire Spoiled Rotten pour commencer. Puis avec Spoiled Rotten, on va progresser et faire Spoiled Rotten Métallurgie version qui va être beaucoup plus puissante. Voilà, on n'a pas pensé à prendre d'armes, hein, je crois. J'ai dû tout laisser à la maison. J'ai dû tout oublier dans mon bain. Alors, on a encore du cobalt. Il nous faudrait de l'ardite. Techniquement, en soi, il nous faudrait de l'ardite. Ça pourrait être utile. Encore du cobalt ici. Tac, tac. Hop. Cobalt, très bien. De l'ardite. L'ardite, elle peut se trouver facilement au plafond. Je crois, l'ardite. Si mes souvenirs sont bons, les fois où j'ai trouvé de l'ardite, c'est quoi cette structure? Il y a des briques. Qu'est-ce que ça fout là, ça? C'est quoi ce bordel? On dirait que ça représente une forme. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On dirait une maison. Une maison suspendue dans le vide moche. Oula! Ah oui, en effet, c'est une maison. Par contre, on va mourir. C'est une maison et il y a plein de trucs à looter. Ah ouais, ça pourrait être sympa comme base d'arrivée, hein. Une petite maison comme ça. On va la noter. Maison. Voilà. On en fera peut-être une base d'arrivée un peu plus tard. Pas pour le moment. C'est un peu la merde. Oula, il y a même une salle des coffres. Oula! Très bien. Bon, venez par là. Venez me chercher par là-haut pendant que moi je me casse de l'autre sens. Hop. On se casse. On se casse. On va y aller. On ira. On s'amusera dans cette maison qu'on va garder enregistrée. Parce que, putain, la vache. C'est censé être un donjon ou quoi cette connerie? Bon, mal foutu parce que complètement mal gêne, mais c'est censé être un donjon. Enfin bref. On s'en occupera quand on s'en occupera. Pour le moment, j'aimerais bien trouver. Pas de l'ignatius. J'aimerais bien trouver de l'ardite parce qu'on trouve plein de cobalt. Mais on trouve pas beaucoup d'ardite là-dedans. En ce bordel-là. Là, on trouve encore du cobalt. Alors pourquoi je dis cobalt? Parce que pendant une mise à jour, je le dis à chaque fois que je vois du cobalt, enfin du cobalt, je dis cobalt parce que dans une mise à jour, il y a eu un petit problème avec le cobalt au niveau du nom. Le nom, c'était pas cobalt, c'était cobalt. Du coup, je dis cobalt maintenant, tout simplement. Voilà. Par rapport à cette mise à jour qui m'a bien fait marrer. Et je crois que de toute manière, je vous l'avais montré dans Agrarian Skies, premier du nom. Là, de l'ardite. Non, tombe. Oh putain. Mine-toi. Mine-toi, il y a des bébêtes chiantes.
C'est ça la bébête chiante. C'est quoi ce nuage noir? Fantôme! J'ai tué un fantôme. Très bien. On a eu de l'ardite, on en a eu une. Quoi, il y en a encore un? Bordel, mais foutez-moi la paix. Je tourne la dirt. Voilà, je veux de l'ardite, moi, les gens. S'il vous plaît, respectez-vous. Respecte-toi, le nether. Donne-moi de l'ardite. Donne-moi de l'ardite et on sera copains. Ardite, youhou. Faut pas trop qu'on... Ah, merde. Faut pas trop qu'on s'éloigne parce que je sais plus où elle est, la maison, moi, du coup. Ça doit être par là-haut. Je pense. Oui. Ça doit être par là-haut, la maison. Ouais. Je crois qu'on s'est paumé à moitié. Voilà, à la limite, c'est pas grave parce qu'au bout d'un moment, on retombera bien sur la grosse forteresse. Ouais. On aurait peut-être dû faire un. Quand je vous ai dit la dernière fois. Oh merde! Les trucs, ils sont virés. J'aurais peut-être dû penser à les prendre. Oh merde. Du coup, c'est tombé dans la lave, cette connerie. La cobble, elle dégage. On va pas s'emmerder au final. Hein. On va tout prendre. S'il te plaît, l'Ender Chest, tu peux marcher? Merci. On va pas s'emmerder, on va tout jeter dans le coffre. Voilà, ça. L'ardite, on le garde. La crafting table, on la dégage. Ça, on le dégage. Alors, bien entendu, il y en a la moitié qui vont aller là-dedans. Genre ça, genre la remote. Surtout la remote. Les Angel Wings, on va éviter. Au-dessus du vide. Ça pourrait être sympa. Je crois qu'on a fait le tour. Tout le reste va dans le système à plaque énergétique. Ce sera rangé là où il devra aller, genre le Tomium. Voilà. L'Ignatius, on peut le dégager. La Netherrack, on peut le ravager. La Glace Fiole, on peut la dégager. Les Sticks, on peut les bouger aussi. Voilà. Ce qui nous permet de récupérer la Calandrite. Calandrite. Qui sert à. Je ne sais pas pourquoi. Ok, on va dire que c'était normal. On va dire que c'était prévu. Et que je suis juste un idiot. Je pense que c'est le Midasium qui fait spawner des fantômes. Ce qui ne m'étonnerait pas en soi. Mais ça ne me dit pas où est-ce que je pourrais trouver de l'ardite, s'il vous plaît, monsieur. S'il te plaît, je peux avoir de l'ardite avant de me perdre complètement. S'il te plaît. Monsieur? Y a quelqu'un? De l'ardite? De l'ardite? Donnez l'ardette à monsieur, donnez l'ardette s'il vous plaît. Je suis pauvre, j'ai besoin de l'ardette. Merde, fous le camp. Fous le camp. Voilà. Hop, oula, on se casse. Oula. Non, tu ne mourras pas. Casse-toi, casse-toi. Casse-toi, fous-moi la paix. Non, fous-moi la paix. Fous-moi la paix. La paix, tu sais ce que ça signifie? Un bain de sang ici. Bordel. La maison est par là. En fait, on a exploré tellement au hasard que du coup, on se retrouve dans la merde, quoi. On va pas faire un stage TPX0, ce serait bête. On va pas mourir pour aller rechercher notre tombe derrière, ce serait bête. Enfin, tu me diras, techniquement, on peut. On balance tout dans le coffre, on se suicide. On balance tout dans le coffre, on se suicide. Ça peut être une solution pour retrouver son chemin. Si au moins je pouvais trouver un poil plus d'ardite. Genre, un peu plus. Parce que là je suis quand même à 7 cobalt et rien d'ardite. Enfin, un d'ardite, techniquement. Un d'ardite, voilà, pour 7 cobalt. Je trouve que c'est un petit peu craignos quand même comme rendement. D'habitude, c'est pas souvent comme ça. Ah, tiens. Hop, 2 ardites en plus. Hop, merci. Bon, toi tu vas mourir. Elles sont chiantes ces trucs. 2 ardites, 3 ardites. Ouh putain. C'est bon, on a trouvé le coin. C'est bon. Remballez tout. Fermez tout. On a trouvé le coin. Oui, s'il te plaît, merci. Retirez tout ce que j'ai dit. On a trouvé l'endroit où ça spawn. Non, ça on s'en fout. Par contre, j'aimerais bien retrouver l'endroit où on spawn. Ça, ce serait pas du luxe.
Non, non, si, là. Tac. De l'ardite. Voilà. Du coup, on a 50 ardites. Bon, c'est pas plus mal. Si au moins on pouvait en avoir encore deux, pour avoir autant de coblates que d'ardites, ça pourrait être cool. Ça pourrait être relativement cool. Je crois que de toute manière, on est déjà passé par ici. Non, fous-moi la paix. On a déjà dû passer par ici. Ce qui me semble bizarre, c'est qu'on ne se soit pas paumé. Enfin, qu'on ait réussi à venir jusqu'ici. Si c'est bien vers le nord là-haut. Donc je ne pense pas que ce soit vers le nord là-haut. Je pense que ça doit être un poil plus paumé que ça. Comme situation peut-être dans l'autre sens. Enfin, ça m'étonnerait, je me vois mal aller vers le sud en fait, c'est surtout ça quoi. Non, on s'est pas baladé vers le sud spécialement, on n'est pas passé par le spawner. On n'est pas passé par le spawner. Bon, peut-être qu'on a dévié un peu. Peut-être que c'est vers là-bas. Pourquoi pas? Bon, déjà là, il y a du vide. Je pense pas que ce soit la pompe. Il y a des trucs sur les murs, bordel. Là, il y a de l'ardite! Tac, dégage! On s'en fout. Je m'en fous d'être paumé. Il veut de l'ardite! Parce qu'à la limite, après, je me suicide et je récupère toute mon ardite. On est à 6 d'ardite. Il nous en faudrait encore un. Donc, pendant qu'on cherche notre chemin, on cherche encore un ardite. Alors, je sais, cet épisode est extrêmement long, chiant et ennuyeux. Mais on s'amuse! On s'amuse à la recherche de l'ardite et à la recherche du chez-nous. On s'amuse. Oh! Est-ce que c'est bon chez moi? Est-ce que si je suis ça, je vais tomber sur un spawner agréablement préparé avec tout plein de trucs qui me permettraient de rentrer dans ma maison? Est-ce que je peux tomber sur un spawner, s'il te plaît? Pour être sympa. Oula, non, ça m'a pas l'air d'être le bon coin, ça. Ou alors on s'est retrouvé à un nouveau donjon Tomcraft, un nouveau donjon du Nether. En théorie, les donjons du Nether sont toujours sur le même X. Sur la même largeur. Même X dans ce sens-là, normalement. Voilà. Autrement dit, en faisant ça, on devrait tomber sur chez nous. Sur des autres donjons jusqu'à tomber jusqu'à chez nous. Bon, écoutez, vous savez quoi? J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai ras le cul. On va se suicider. On va se suicider. Tac, 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 tac. L'armure, elle dégage aussi. Tout ce qui est bande, ça dégage aussi. Dans le sac là. Tac, 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 tac. On n'a plus rien sur nous. Parfait. L'Ender Pouch, il va foutre le camp dans l'autre Ender Pouch. Cet Ender Pouch-là va foutre le camp dans lui-même. Suicide! Et voilà. Retour à la maison. Retour à la maison. On va aller chercher le bon Ender Pouch dans l'Ender Pouch pour récupérer tout notre bordel. Ender Pouch. Voilà. C'est ce qui s'appelle, mes amis, un suicide contrôlé. Puisqu'on s'est suicidé, mais en ayant tout ce qu'il nous faut à portée de main. Ça, on reprend ça, on reprend ça aussi. Nous reprenons ceci, 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 puisque ça n'a rien à foutre ici. Ceci aussi. Hop, récupérons tout ce qu'il nous faut. Je crois qu'on a à peu près tout. L'anneau. Voilà. Les wands, etc. On s'en fout. On peut rester à l'intérieur, ça. Voilà, moi ce que je veux maintenant, ça va être coller la calandrite Viroxeres Netherrack ici. Ici, ici, ici. Je crois que de toute manière, il ne faut rien de plus. Il n'y a rien qui ne peut se crafter plus que le manioline. Hop, 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 hop. La baguette en main pour se réparer plus vite. Voilà, puisque ça utilise des points de la baguette pour se réparer, hein, bien entendu. Du coup, ça va pas trop se réparer parce que la baguette, elle est quasi vide en hors d'eau. Hein. Mettons du cobalt. Mettons un poil d'ardite. Et faisons du magnoline. Le magnoline, pourquoi on en fait? Bah, tout simplement parce que le magnoline, c'est la vie. Le magnoline, c'est
L'un des métaux. Oh! Aïe! Ouh, alors toi, tu me cherches, toi. Hein. Tu me cherches. Nanosaver. Toi, tu vas prendre cher. Tu vas prendre cher dans ta moule. Toi, tu vas prendre. T'es où? T'es où? T'es où? Tu vas prendre cher dans ta moule, toi. Foiré, va. Voilà. Donc, je disais. Avant de se faire interrompre slashement, lâchement, pas slashement, avant de se faire interrompre lâchement par une saloperie, par une saloperie, voilà, on va avoir plusieurs choses qui vont être intéressantes à choper. Premièrement, voilà, on va avoir tous les minerais possibles et imaginables. Certains minerais se chassent, entre guillemets, avec des options assez simples. D'autres sont plus difficiles à choper. Par exemple, on va avoir le midasium, on va avoir l'adamantite et le midasium, ça va. L'adamantite, ça commence à péter des câbles. Et je ne sais plus c'est lequel. L'adamantite, bien entendu, vous connaissez, hein, l'adamantium de l'armure en adamantium de Logan. L'armure en adamantium de Logan. Et il n'y a pas de bouquin qui nous permettrait d'avoir les différents trucs. Ou alors il faut que j'aille ouvrir une page web pour avoir tous les différents trucs. Bon. Des explosifs, des mineurs, des trucs comme ça. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 secondes. Je vais prendre 2 secondes, je vais aller ouvrir. Je vais aller ouvrir une page web pour avoir accès à tous les métaux. Et on revient tout de suite. Voilà, j'ai arrêté mon choix. J'ai arrêté mon choix. D'une façon assez sympathique. Premièrement, on va faire couler tout ceci, le cobalt, le magnoline et tout ce qu'il faut. Tac. On va faire couler d'abord le cobalt, puisque c'est celui qui en a le plus. Il en a 12. Donc faisons couler le cobalt à l'intérieur. Tac. Récupérons la casting table qu'on va placer à l'intérieur avec un ingot cast. On va avoir besoin de ça et de ça. Le tool binding cast, on n'en aura pas besoin. Pourquoi? Parce que déjà, notre tool binding cast, on va pouvoir le faire maintenant. Ça va être un tool binding cast en paper. Paper, pourquoi? Parce que le papier nous permet des choses assez intéressantes. Voilà, ça on le récupère, on le repose. Tac, tac, faisons couler le reste. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait de mélange incongru qui se passe pendant que je fais des trucs. Parce que ça m'embêterait hein, un peu quand même. Hop, récupérons tout. Tac, les deux magnolines. Deuxième magnoline. Voilà, pendant que ce Shining Ingot coule, on va pouvoir mettre de l'adamantine. Est-ce qu'il y a de l'adamantine? Est-ce que le Shining Ingot mélangé à de l'adamantine peut faire quelque chose? Regardons le mélange. Voilà, le molten platinum avec de l'ender, du molten tin, du molten silver. Ça peut nous faire du mol. Ok, de l'enderium. Ça peut nous faire de l'amordrine. Donc de la calandrite. Je ne sais pas du tout à quoi sert l'amordrine. Lifesteal. Ouais, ça peut être un truc intéressant. Du sélénégil avec de l'orichalc. Le sélénégil nous donne quoi? De particulier, le sélénégil sur les couteaux, rien. Ici, ça nous donne un mining level de magnoline, mais une durabilité merdique. Ok. Sur les pickaxes, ça nous donne 1600 de durabilité, mining speed 14 et du magnoline. Ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, si on regarde, on était à 14 avec le truc. Là, on est à 14 aussi. Sauf que 1500, on est en dense et on est en renforcé 2. Voilà, avec la Shiny Axe Head, Pickaxe Head, on est en renforcé 2, sachant que nous, ça va pas être du Shiny Pickaxe Head, ça va être du Platinum Pickaxe Head que l'on va faire normalement. Platinum Pickaxe Head, qui est un mining speed 24. Mining level redstone. Là, on a du platinum. Donc, on va faire un platinum pickaxe head en espérant que ça ne nous fasse pas un shiny pickaxe head. Hein. Ça m'énerverait que ça nous fasse un shiny pickaxe head. Ok. Pourtant, c'est du molten platinum. Platinum. Il n'y en a pas 50. Platinum. Voilà, il n'y en a qu'un seul de platinum, c'est celui-là. Celui qui sert à faire des shiny, des molten pickaxe head. Des platinum crossbolim, mais des platinum aussi pickaxe head. Normalement.
Tu es où? Tu es où? Tu es où? Platinum Pickaxe aide. Bon sang, je sais que tu es là. Voilà, Platinum Pickaxe aide qui nous fait du Molten Platinum à 144, qui doit être chauffé très peu. Du coup, je pars du principe que c'est un bug dû à la double utilisation, que j'aurais dû avoir du Platinum Pickaxe aide. De toute manière, j'y perds beaucoup, hein, parce que durabilité 100. Voilà, Platinum Pickaxe aide. Ça, c'est fait. On va avoir aussi de l'adamantite. Hop. De l'adamantite. Non, tool binding. Je vais vous expliquer pourquoi. On se remet en normal. Recipe. Pourquoi on veut du platinum adamantite pour le tool rodcast? Parce que tout simplement, regardez un petit peu avec moi. Adamantite. Et adamantine, l'adamantium, regardez avec moi les capacités du truc. Handle modifier 2,75, résistance reinforce 2. Et si jamais on l'avait mis sur la tête, on aurait eu 1500 de résistance. Avec un peu tout le tool binding, le binding ne nous avancerait pas en soi beaucoup. Je préfère mettre l'autre parce qu'avec le paper là, on va pouvoir augmenter encore un peu plus. En tout cas, augmenter les résistances, les trucs comme ça pourrait être sympa. D'augmenter un peu plus la résistance de quelques points plutôt que de le laisser courir comme ça. Je tente très bien quand même le tool binding en adamantite. Au pire, ça ne nous prendra que quelques secondes de le refaire fondre derrière. Simplement pour voir si on obtient beaucoup plus de durabilité parce que la vitesse devrait être bonne, hein, sincèrement. Il ne va pas y avoir beaucoup à se préoccuper de la vitesse pour cette pickaxe. On atteint déjà 24 de vitesse. On n'a pas besoin de rajouter de la vitesse, donc en soi ce sera plus du fortifiant. Est-ce que on pourra mieux fortifier avec autre chose, avec le tool binding en adamantite? Je n'en sais rien. Normalement, ça ne joue rien du tout dans le modifier ou la durabilité. C'est censé uniquement être à effet, mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Testons, testons. Alors, pickaxe. Pickaxe, nous avons la tête en platinum, le manche en tool rod, et ça, reinforced. Ok, 275 de durabilité avec ça. Ouais, la seule chose qui change, c'est le writable. 275 de durabilité. C'est peu, c'est très très peu. Par contre, Binding Speed 24, c'est très beaucoup. C'est très beaucoup. On va quand même la prendre, simplement pour tester. Voilà. J'ai rien à dire de plus. Ça nous a pété le truc en un coup, ça a reinforced 2 de base, c'est writable. Donc on peut prendre des diamants, des émeraudes, émeraudes, des diamants, diamond. Je crois que le diamant est notre meilleur best, est notre best bet. L'émeraude, le diamant, qu'est-ce qu'il va nous rajouter? Le diamant va nous rajouter de la durabilité. Le diamant va nous rajouter durabilité plus 500. L'émeraude va nous rajouter durabilité plus 50%. Donc autrement dit, là on est à 412. Là on est à 775. Là on est à 775. On va revérifier un petit peu tout. 775, on passe à combien? Ah, on ne peut mettre qu'une seule durabilité plus 500. Très bien. 1162. Très bien. Durabilité, durabilité. Tac, on va garder l'un d'entre eux, très important, pour mettre du lapis-lazuli. J'en veux pas 64, j'en veux 45, s'il te plaît. 48, 7, 6, 5. Voilà, le reste, on s'en fout. On va le retransformer. 43, 44, 45. Ça savire. Du coup, on va pouvoir mettre 450 lapis-lazuli et donc avoir fortune 3 dessus. Tac, tac. On est parti pour la montée à fortune 3. Et enfin, on aura en soi pas forcément besoin de l'améliorer au niveau vitesse. On est déjà à 24, c'est quand même énormément bien 24. On fera quelques tests dans la nature. Mais je pense que ce qu'on va surtout lui rajouter, ça va être des balls of moss.
Tac, tac, tac. On se retrouve avec fortune 3 dessus. Donc fortune 3 sur notre pique. Une durabilité, une vitesse assez intéressante. Voilà. On pète quasiment tous les minerais, ça va pas forcément très très lentement. Voilà, tac. Disons qu'on descende, qu'on veuille péter un minerai qui traîne tout en bas. Pourquoi pas? Alors, on va voir ce qu'on peut faire. Tac. Est-ce qu'on a un minerai qui traîne n'importe lequel? S'il te plaît. Un minerai qui traîne n'importe lequel, mais un minerai normal. Voilà, celui-là, le bitumen. Tac. Ça va vite. Et ça, c'est level iron. Hein. Level iron, du coup, on va voir si on n'a pas un autre minerai qui traînerait du style. Ou tiens, la diamantite, justement. C'est niveau magnoline, donc ça, on peut pas le récolter. Bon, ça, à la limite, c'est pas grave. Hein. À la limite, c'est pas grave. Tiens. Tac. Tac. Voilà, parfait. On peut miner jusque quel level avec ça? Mining level obsidiane, très bien. Donc ça a la même durabilité et ça mine super bien. Ça mine quasiment aussi bien qu'une diamond. Qu'une diamond. On va pouvoir la faire se remplacer aussi. Bien entendu. On va juste avoir à faire un petit clic pour tout péter. C'est magnifique ça. C'est magnifique. Du coup, ça va nous aider pour le moment. Pour le moment. En attendant d'avoir notre petit système pour avoir la pickaxe de fou furieux que l'on va vouloir juste après. Mais pour le moment, on peut pas se la payer. Pour le moment, on peut pas se la payer la pickaxe de fou furieux parce que ça va nous réclamer beaucoup trop de ressources, tout simplement. Du coup, Ball of Moss, Moss, Moss Stone, comme ceci. On va vouloir une Ball of Moss. Deux Ball of Moss parce qu'on est foufou, allez. Du gold, on va vouloir du gold, on va vouloir un lingot de gold. Tac. On va vouloir un diamond. Tac, on revient ici. Hop! Je vous rappelle que on a techniquement 4 modifieurs de base dessus. Donc on va mettre un diamant et un block of gold pour passer à 5 modifieurs dessus. Et on va mettre deux Ball of Moss. Histoire que ça se répare. Voilà, donc on a une pickaxe relativement sympa. Qu'on aurait pu renommer, bien entendu. Je sais pas si on peut la renommer là maintenant. Oui, on peut la renommer très bien. Oh oui, vu qu'elle est right table. On va dire que c'est ça. On va dire que c'est grâce à ça. Je veux la nommer Spoiled. Spoiled. Rotten. Comme d'hab. Vous me connaissez, Spoil Rotten. Merde, on s'est gouré, c'est pas grave. On va garder cette pickaxe pour le moment. De toute manière, ce sera pas la meilleure. Hein. Au pire, on fera une autre pickaxe, enfin une autre Diamond Drill. On passera à l'Iridium Drill et on la renommera celle-ci en Spoiled Rotten. D'ici là, c'était ma pickaxe. C'était Chad, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve. Putain, ça va être tellement bien. Comparé à l'autre. Ça fait un poil plus de temps celui-là. Hein. Si on regarde bien. Attendez, on va faire un test. On va faire un test. On va faire un test. 3, 4, 5. Ok, maintenant. Avec ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va plus vite. Ça va plus vite. Clairement plus vite. C'était Chad, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Bisous à tous. À très très bientôt.